Salutations voyageurs, nous nous retrouvons à nouveau sur A Plague Tale Requiem et Amicia est en souffrance. Et on est avec Arnaud, le petit Arnaud, qui nous a sauvé la vie. Et malheureusement, il n'a pas réussi à sauver notre petit frère des griffes. Secoué, mais ça va. Le garçon. C'est lui qui a nettoyé tes plaies. Il est doué. Ils sont partis trouver des vivres à l'épave. Ok. Je suis si heureuse qu'ils soient en vie. Ils seront contents de te voir. Des griffes de Fanta. Viens, doucement. Ne va pas rouvrir cette blessure. Oui. Je crois Crypto Fanta, bien sûr. La potion commence à agir. Quand je pense que j'aurais pu tuer cet ordure de comte. Tu ne pouvais pas gagner ce combat, Arnaud. Bah, ils étaient beaucoup hein, autour de toi sur la place. C'était délicat. Hein. Ça va, il m'en veut pas de l'avoir trahi à un moment donné, quoi. Il est foutu. Il naviguera plus jamais. Un bateau, ça se remplace. Bah oui, c'est du matériel. Hein. C'est la mer qui compte le plus pour Sophia. Tu comprends? Concentre-toi sur le plus important. Putain, il a un beau visage en vrai. Merci. Arnaud a un très beau visage, je trouve. Hein. Bon, Amicia aussi. Hein. Tous les personnages en cinématique ont des visages de fou. Hein. C'est moins le cas, je trouve, en jeu. Tu parles comme un vrai chevalier, Arnaud. Non. Fanta, quoi. Décidément, vous n'arrêtez pas de me surprendre. Où est mon frère, espèce de salaud? Il va rester en lieu sûr. Jusqu'à ce qu'il soit prêt à servir. Jusqu'à ce qu'il voie ta tête dans un sac. Jusqu'à ce qu'il sache que ce monde doit brûler. Arthur! Je m'occupe de lui. C'est hors de question. Écoute-moi, peut-être de mule. Pourquoi? Pour que t'aies droit à ta petite vengeance. Pour que tu puisses sauver ton frère, je vais lui faire avouer où est Hugo. Couvre mes arrières et reste en vie. Bah vas-y, à go. Go à deux. Ce chien est à moi. Tu es la fille. Ah bah il a un casque, il a gagné. Il est invincible. Oula, il agresse avec une épée à deux mains. Je suis avec vous, monseigneur. Les renforts arrivent. Ils sont ici. Lucas, tu es blessé? Attends, lui là. Surtout, reste en vie. Boum. Oula, on a eu chaud. Qu'as-tu fait du garçon? C'est mon fils maintenant. Mon âme sacrée. L'enfant est avec nous maintenant. Tu ne finiras pas ton œuvre funeste. Matrice. Oh, on va voir ça. Mais avant, je vous éliminerai tous. Au nom du ciel. Tous. Mon sang. Et tout de suite, démolis les gamines. Vous ne pouvez pas tuer. Où as-tu emmené mon frère? Attends. Irk. Attends, faut qu'il baisse sa garde. Voilà, il est débile. Mais pourquoi vous cherchez autant à mourir? Tiens, dans les couilles. Oh my wamo. Boum. Boum. Ah, on aurait pu le tuer sans la flèche. Victor! Tout ce que tu veux, c'est me tuer! Attends, relax. Attends, non, il est loin là. Faites pas attention à moi, les gars. Oula. Hugo. Bah c'est Hugo, je crois. Il me croit morte. Il s'est livré à la Macula. Oh non.
Il s'est transformé en Super Saiyan de la peste. À Marseille. Je ferai le nécessaire. Au final, on va visiter Marseille, c'est beau. Ouvrez les yeux, c'est trop tard. Maintenant, tout le monde est condamné et il... Arnaud, on doit partir, vite. Vous ne partirez nulle part. Dépêche-toi de gagner ton duel. Attends. Pauvre idiot ! Affrontez la vérité pour une fois ! C'est votre dernière chance ! Pourquoi reprendre les armes au côté de la sorcière, Arnaud ? Pour remplir le vide laissé par ton fils ? Ne parle pas de lui ! Son sang est sur les rares ! C'était la guerre ! La guerre ! Mais tu peux te racheter ici et maintenant ! Voilà, on a gagné. Bon, l'autre a suivi. Tiens. Oma et Wamo. Flèche dans ton cul. Enfin, le cul est devant maintenant. Il a un cul à une place un peu bizarre. Putain, il a tué son fils, quoi. Quel chiennasse. Son fils à bataille. Ah. Attends, tu triches. Et nous mener au jour radieux. Émilie ne va pas être ici. Elle était la vengeance que ce monde avait. Maintenant, agenouillez-vous devant moi. Vous mourrez. Tu ne peux rien face à moi, Anakin. J'ai le pouvoir infini du rocher. Tu as tout détruit toi-même avec tes mensonges. Aïe, 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 aïe. Le rocher infini. Non. Attends, la racaille. C'est toi la racaille. Oula. Attends, t'as pas le droit. Oula. Oh. Ah quoi? Bon, bah j'ai perdu. J'ai perdu parce que je suis rentré dans un sac. Enfin dans un sac, dans un coffre. Oh là là, c'était pas prévu ça. C'est quoi cette saloperie? C'est rien, t'inquiète. Oula! Pour remplir le vide laissé par ton fils, ne parle pas de lui! Son sang est sur tes mains! Ah! Ok, non, c'est moi. Laisse partir le garçon! C'est la folie qui fait tourner ce monde! Mais je vous aurai! Mais je réglerai ça à ma façon! Vous n'aurez rien du tout si vous ne me rendez pas, mon frère! Boum. Oula. Il a dit non. Fumier. Je sais où tu te caches. Ah, il a le pouvoir magique du bouclier. Attends, il avance tout doucement. Ah non, il accélère. Bizarre, il accélère. Tu as tout détruit toi-même avec tes mensonges. Ta technique est tellement grossière. Tu as passé trop de temps à t'entraîner avec la racaille. La racaille. Putain, il a changé, Fanfan, quoi. Alors attends. Je pensais que j'avais une bonne idée, mais non. Oh non mais je... Oh non, oh là là, la visée. Oh la visée dégueulasse. Laisse-le-moi, c'est ça. Rappelle ton bolos.
Le duel au sommet. Mais... Alors attends. Non mais... Essayez d'être plus efficace les gars. Vous avez une épée. Vous avez tous les deux des épées, vous n'arrivez pas à vous achever quoi. Et merde, il était trop loin. Bon, c'était facile. Avec moi, il a dit. Vous êtes juste la preuve qu'aucun d'entre nous ne mérite de vivre. Voilà, voilà, aucun. Tout le monde mérite la mort. Pas toi, attrape ça. Attrape ça avec ta tête. Ah, il doit avoir un bouclier ou une armure, lui. Ok, il a une armure. Par contre, les mecs, faites un effort hein, quand même. Oh merde. J'étais en train de regarder le duel. Je regardais le duel et je me suis pris le karma quoi. Oh non, quel idiot. Pauvre Citio, racontez la vérité pour une fois. C'est votre dernière chance. Pourquoi reprendre les armes aux côtés de cette sorcière? Tu nous as abandonné à l'ennemi, mais tu peux t'en racheter ici et maintenant. Fais preuve de noblesse, mais pas cette folie et laisse partir le garçon. C'est la folie qui fait tourner ce monde. Mais je réglerai ça à ma façon. Vous n'aurez rien du tout si vous ne me rendez pas, mon frère. J'ai tellement envie de te tuer. Mais je vais te laisser juste assez de souffle pour me dire où tu as caché Hugo. Trop d'arrogance. Fumier. Imbécile, vous êtes juste la preuve qu'aucun d'entre nous ne mérite de vivre. Tu as tout détruit toi-même avec tes mensonges. Tu es tellement grossière. Tu as passé trop de temps à s'occuper de cacher la racaille. La racaille. Allez, viens. Mon petit. Ah oui, merde. Il a une armure, du coup forcément il est protégé. Ah, bien joué mon gars. Omae Wamo Shindil. Boum. Ah, par contre, si tu l'as tué, ça va être délicat d'avoir les infos là. Arrête de beugler. Arrête de crier quoi. Tu es mort comme un guerrier, c'est beau. C'est un bon petit gars.
Tu feras attention, hein. T'as perdu beaucoup de sang, j'ai l'impression, là. Ah. Repose en paix. Ouais, c'est mérité. Enfin, c'est mérité. Une mort de guerrier, c'est beau, quand même. Ferme-lui les yeux, au moins. Elle l'a fait ? J'ai pas vu. Ah, mais... Bah... Vous étiez là, vous auriez pu aider ? Vous avez... Ah bah non, ils étaient attachés. Non mais c'est bon, d'accord, oh là là... Ça tuera le soleil. La nébula. Joli coup. Vieil imbécile. On te doit tous, beaucoup. C'est marrant, ils n'ont pas crié ni rien. Ils n'ont pas fait de bruit ni rien. Les rats vont tout envahir. Il a rendu sa sentence. Tu crois qu'on a encore le temps ? Quelle importance ? Allons-y. C'est quand même le méchant le moins efficace de la galaxie. Il faut bien que je m'occupe. Que ça, je dirais. Amicia, tu te sens bien ? Non ! Ouais. J'aurais pu... Tu n'aurais rien pu faire. Je ne sais même pas comment tu tiens encore debout. T'as fait tout ce que tu pouvais. Il le savait, Amicia. Sans compter que tu lui as donné ce qu'il désirait le plus. La mort du comte ! Non. Quelqu'un a aimé. Un vrai but. Oui. Il a sacrifié sa vie pour nous. Je ne le laisserai pas être mort pour rien. Trouvons vite où est Hugo. C'est le souci. Marseille est une sacrée grande ville. L'explosion de Nébula a dû laisser des traces. J'ignore ce qui se passe là-bas. Mais Hugo doit se trouver à l'épicentre. Comment peut-on savoir s'il est encore vivant ? Il y aura des signes. J'espère. Waouh ! Ce genre de signe ? Oui, c'est lui ! Vous savez, ils ont l'air relax, hein. Bon, ça c'est pleure quand même un peu. Ça vient de la ville. Ça vient du sol. Ça, c'est dommage. J'aurais apprécié voir Marseille sans... sans le brouillard. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et sans les rats aussi. Non ! Non, père et mère ! Trouvons une barque ! C'est quoi ces secousses ? Les portes de l'enfer se sont ouvertes ! Marseille est perdue ! C'est le choix ultime de la Macula. Arrêtons ! Nous sommes tous allés ! Il faut faire demi-tour ! Il faut retrouver maman ! Lève-toi ! Je t'en supplie, lève-toi ! Je peux pas ! Ma jambe ! Il le faut ! On a besoin de plus de monde ! T'es sûr que ça tiendra ? Marseille ! Ils sont en train de barricader la porte. Pourquoi ? Parce que ces secousses viennent de l'autre côté. Les gens encore à l'intérieur! Ils sont déjà morts! Continue! Qu'est-ce qu'on fait? Bah rien! Il y a une autre porte plus loin, mais ces bottes de paille sont sur le chemin. Attendez, on a ce canon! Tu sais t'en servir? J'en sais rien! Attends, tu pousses là? Ça doit être ça. J'ai compris! Je crois! Alors vas-y! Mais tu vas en faire quoi là? Ah ok! Oui, le comte a récupéré des chariots de l'or. Et donc on va au-delà de ces murs ? N'y pense pas pour le moment. Allons-y, Sophia. C'est parti ! Bah ok, ça marche pas. J'étais là, burn, baby, burn. Et en fait non, on peut pas cramer les gens. Ces secousses ne viennent pas du sol ! Ah ouais, bizarre. Burn, baby, burn. Son cœur les commande. Tu imagines combien elles sont ? À
Alors c'est comme ça que ça commence. Quoi ? Notre châtiment. La fin du monde. Oula. Arrêtez-vous, arrêtez-vous. Il y a du feu, il y a du feu. Ne vous inquiétez pas, je mets un peu de feu dans votre vie. Ah mais ils sont beaucoup, hein. Un aqueduc. Un lac duc. Bah, il est détruit. Hein. On a gagné. Oh, c'est pas une brèche, ça. Hein. Oh, c'est pas une brèche. Hein. Anecdote, c'est pas une brèche, ça. Sophia, Lucas. Parce que mine de rien, il y a eu un petit accident là. Ah. Est-ce que ça va ? À ton avis. On y est. Je ne connais pas Marseille. Oh. C'est vraiment charmant cette saison. Ouais, ça se voit. Allons retrouver mon frère. C'est pas une bonne idée, hein, les écrans. Les fondus au blanc comme ça là. Roi Hugo. Bon, le roi des rats. Et moi qui te pensais invincible. C'est pas le cas. J'ai parfois tendance à l'oublier. Lucas. Je veux te dire. Que c'est un honneur de t'avoir à mes côtés. Tu es. La personne la plus fiable, loyale. Et gentille que j'ai connue en ce monde. C'est quand même un petit chien, quoi. J'en sais rien. Mais. Vous êtes ma famille. Moi aussi, je t'aime vous bien d'ailleurs. Tout ça parce que vous pensez que c'est la fin ? Sophia, j'ai une mauvaise nouvelle. Vous avez encore plein d'années devant vous, alors restez en vie. C'est un ordre, compris ? Ah, mais on va vivre, nous. Hein. Par contre, toi. Possiblement, tu vas mourir. Parce que tu es un personnage secondaire. Je t'aime. Sache-le. Je tenais à te le dire avant de mourir, avant que tu meurs. Vivre. Il mérite tellement mieux que ce qui lui arrive. Maintenant, fais attention à toi. À tous les coups, elle va survivre en vrai. Je suis médisant. Ah ouais, la dépression. La dépression est légèrement visible, quoi. Elle a. Fou. Au bout de sa vie, hein. Là, vraiment, elle passe une mauvaise journée. Hein. Bon, ça va, c'est mignon, Marseille. Imaginez un peu de la verdure partout. Ouais, y'a des rats, hein, comme dans la réalité. Hein. Ça a toujours été quoi son jeu préféré, la conquête. Eh ben, c'est un rêve qui se réalise. Attends, il y a un truc là. Oh, un petit coffre là. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Non mais c'est bon les rats, calmez-vous. Voyons ce qu'on peut faire. Ils sont pas discrets quand même. Ils font pas d'efforts.
tout va bien. Hein. Regardez qui s'en est sorti. C'est quoi? Ah, une fleur. Un œil. C'est la première fleur qu'Hugo m'a offerte. Juste avant qu'on te rencontre, Lucas. Je me sens vieux maintenant. Cette fleur va sûrement lui ramener le sourire. Oui. Bah, nous verrons bien. Ok, c'est pas par là. Bah, c'est par là en fait, il y a une porte. Bon, bah, on sait où il est. Mon petit doigt me dit que c'est la grosse couille là-bas. C'est lui, tout ça. Il ne fait plus qu'un avec la Macula. On doit vraiment plonger là-dedans. Je suis désolée. C'est pas grave. C'est pas grave. Je vais m'amuser, j'imagine. Et mon bateau est fichu, de toute façon. Dis-moi seulement si on a une chance. Si peut-être, peut-être pas. Peut-être. Mais ce sera une longue plongée. Écoutez, j'y vais. C'est à moi de... Amicia, nous avons besoin de tout ce qu'il relie à ce monde. Et nous sommes tous liés à lui. Alors... Alors on plonge. Ah ouais. Ça tourne mal. Bon. Non, ça va aller en vie. Aller en vie. Je me disais aussi, c'était rapide. Moi aussi. Il est où, Lucas? Ok, Lucas va bien. J'essaie de vous rejoindre. Bouge pas. Je te l'avais dit, je suis pas faite pour la terre ferme. Quant aux atterrissages, c'est encore pire. Pardon. Ne t'excuse pas. Tu nous as tellement aidés. Lucas et moi, on avait déjà fait ça avant. Plus ou moins. Tu veux bien me donner ton petit cristal ? C'est triste. Va. J'aime bien ces tatouages. Sur la main. Ça a rien à voir, mais voilà. On se reverra, toi et moi. Peut-être. Faut pas oublier les précautions oratoires. Continue. Hugo est tout prêt. Il faut trouver Lucas d'abord. Peut-être on se revoit, peut-être on se revoit pas. Oui, bah de toute façon t'as pas le choix. Hein. Allez, vas-y. Bah let's go. Oh, j'allais dire large, mais non. Bonsoir, non. Bon, on réessaye.
avec un peu plus de patience. Quoi? Ah bah d'accord. Ah bah d'accord. Pourquoi on est revenu là? On revient au menu. Bon, c'est un fail à mon avis. J'ai fail. Deux ans là. Hugo. Le roi Hugo. Amicia et Arnaud, Lucas et Sophia ont survécu au naufrage et ont tenté d'arrêter le comte. Bah, le comte est mort. Hein. Le jeu est pas encore à jour. Hein. Ok, tout va bien. On reprend là. Désolé pour cet instant. Cet instant. C'est vraiment toi. Amicia, je suis là. Hey. Et Sophia? Elle ne peut plus marcher. Il n'y a plus que nous deux maintenant. On peut y arriver. Tu vois le pan de mur toujours debout en contrebas. Les râles contournent. On se rejoint là-bas. Oui, mais attends, attends. À la moindre erreur. Je sais. Mais j'ai compté et ils ont toujours le même rythme. On peut tenter le coup entre deux vagues. D'accord, d'accord. Quand tu veux. Ne t'inquiète pas, je serai derrière toi. On attend. Allez, vite, 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 vite. Large. Ça a marché. Oui. Continuons d'aller vers les murs qui sont toujours debout. On se cache, on attend et on recommence. Oui. Ouvre la voie. D'accord. Mais faut aller où, là? Alors, attends. On va aller là-bas. Non. Je vois pas bien où il faut aller, hein. On va faire une tentative, hein. Allez, let's go. Kaka chi dozi. C'est bon. Ah ouais? Ah ouais. On attend. Allons-y. Vite. Non, non, mais moi, il n'y a pas de... Allez-y, moi, j'attends, là. Ok, ok, attends. On analyse calmement. Prochaine vague. Déjà vous. Vite. Oula, oula, oula. Ok, je l'ai vu, je l'ai vu. Oui. Lucas, le toit. Ça va aller. Ok, il faut aller là-bas. Vite, 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 vite. Là. Pourvu que ces murs tiennent. On attend la prochaine vague.
Oula, oula, oula. Monsieur, monsieur, regarde, large. Facile. J'ai douté à aucun moment. Le cacamou est très puissant, moi, là. Pour combien de temps? Le cacamou est très puissant. Ouais, il est là. Il arrive. Regarde-toi. Caché sous une couverture. Comme quand t'étais triste. La nébula se condense autour de lui. Ça doit être terrifiant là-dedans. Tu sais ce qu'on va y trouver? Difficile à dire. Essaie d'imaginer un creuset géant où la macula, Hugo et la nébula ne font qu'un. Les visions d'un enfant trahi qui s'évapore dans l'atmosphère et change le monde. C'est ça, le dernier seuil. Les lois de la nature n'ont plus cours. Alors on doit le traverser aussi. Pour atteindre ton frère, oui. D'accord. Let's go, du coup. Hein. YOLO. Respire un grand coup. Et là, je le pousse. Bon, ça va, Amicia est plus respectueuse que moi, quoi. Ah. On est entrant dans le coma, quoi. Un petit coma. L'écran blanc. Ah, vraiment, les écrans blancs, faut arrêter. Hein. Tant pis, Lucas, on l'abandonne. Adieu. On repose en paix, comme dirait l'autre. Ah, c'est personne, c'est une statue. Avec l'aigle. Ah oui. C'est vrai que c'est un phénix. Un autre, on se souvient, il faut suivre la tête du phénix. Encore un autre. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? C'est quoi cet endroit? Les phénix, ils signifiaient quelque chose. Oui. Ils montraient la voie. Oh bah le jeu il dit te backseat quoi. Par contre ils sont de plus en plus grands, hein. Fais attention. Hein. Est-ce que je perds la tête? Oui. Hugo, attends. Ouais. C'est toi qui fais ça? Oui, peut-être. Peut-être pas. On verra bien. Bon, de toute façon, on les voit au fur et à mesure. Oui. Raccroche-toi à ça. Est-ce que c'est toi qui les as mis là, Hugo? Non. C'est toi. Hugo! Oh, merci, Seigneur! Où es-tu? Je suis là. Tout proche. Je ne te vois pas! Parce que tu regardes encore en arrière. Il n'y a que ces oiseaux ici! Ils montrent la voie, n'est-ce pas? On a essayé cette voie, Amicia, et c'était un mensonge. Pas entièrement. Il y avait une part de vérité. C'était un mensonge, et ça a apporté la mort.
Ce sont les gens qui l'ont apporté. Hugo, je dois trouver une voie pour te sortir d'ici. Trouve de nouvelles voies. Les choses ont changé. Mais tu continues de penser qu'elles sont pareilles. J'essaye. Bah du coup, il me met le doute. Réfléchis, Amicia. Il est forcément tout prêt. Bon, du coup, on va avancer au pif, hein, on va arrêter de suivre les trucs. Fais quelque chose. Oui, c'est ça, je pense. Continue. Qu'est-ce qui m'arrive? Je me sens... Je sais que tu es perdue et effrayée, mais je suis là. Je ferai tout ce qu'il faudra. Je veux te voir. Qu'est-ce que c'est? Hugo! Où suis-je? Ah ouais? J'ai le choix. Ça m'est égal! Mais pas pour moi. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Non! Je suis revenu en arrière! Hugo! Qu'est-ce que j'ai fait? Tu es coincé dans ta tête. C'est dur d'avancer quand on a peur. Je sais. Ça va aller. Tu vas y arriver. Oui. Je vais réessayer. Je vais apprendre. Ok. Ça va réussir. De la même façon. Il faut que j'y retourne. Bah ok, hein. Tout droit. Tout droit, toujours tout droit. Je dois trouver cette sortie. Loin de ces oiseaux. Avance en ligne droite. Tu vas y arriver. Ouais, bah c'est ce que je fais, hein. Pas tellement, hein. Pas tellement. Tiens bon. Tiens bon. Oh, ces choses sont tout près. Fais mieux cette fois. Applique-toi. Le bras zéro ne les arrêtera pas. Tu dois être plus rapide. Il continue de venir. Oui, parce que tu as besoin de... Tu as besoin d'une excuse pour te battre. Qu'est-ce que tu veux dire? Te battre veut dire que tu peux gagner, mais... La vérité, c'est que... Ce n'est plus le moment de se battre, Amicia. Il faut que tu acceptes ça. Quoi? Voilà! J'ai compris! Ça sert à rien! J'abandonne. J'en ai assez de tout ça. Assez de me battre. S'il te plaît, j'ai besoin de te voir. Je suis fière de toi. Où es-tu? Je suis là. Hugo! Viens! Viens! J'ai cru que je te reverrais jamais. Moi aussi. J'ai eu tellement peur. Mais t'y es arrivé. Tu peux marcher? Oui.
Tu sais comment sortir d'ici? Oui. Suis-moi. Oh. Oh. Allons-y. Mon petit doigt me dit qu'on va jamais sortir d'ici. Hein. Bon. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Et oui, on va s'arrêter là. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la fin de A Plague Tale Requiem. Au revoir.